Eh bien salut tout le monde, c'est Necro, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de Glitch sur Dying Light 2. Donc avant que la vidéo commence, je t'invite à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications, de s'abonner à la chaîne se trouve en description, merci à tous ceux qui le feront. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau glitch les gars d'XP de parcours, donc ça fait vraiment plaisir. Petite méthode, petit tuto, mais même carrément un glitch parce qu'à la base on peut pas enchaîner autant, aussi rapidement que ça. Donc voilà, je vous conseille de faire ce glitch la nuit avec cette compétence. Donc voilà, vous allez dans les compétences, c'est très important d'avoir cette compétence là et d'être au même endroit que moi sur la vidéo, donc je vais bien vous montrer sur la map. Donc voilà, hop, regardez, dans les compétences vous allez utiliser tout simplement le saut lointain, c'est très important, sinon vous ne pourrez pas faire ce glitch. Donc voilà, au fur et à mesure vous allez un petit peu avancer dans le jeu et vous pourrez obtenir cette compétence facilement. Donc voilà, donc c'est pas compliqué. Donc voilà, je vais bien vous montrer aussi sur la map où ça va se trouver. Donc là pour le moment je vais vous montrer tout ça tout à l'heure. Ce qu'on va faire c'est que là du coup on va switcher du coup au niveau des obstacles. À chaque fois qu'en fait on va prendre un obstacle, en gros on va sauter énormément loin. Et du coup là bon, je me suis fail. Mais ce qu'il faudra faire en fait, il faudra courir, sauter sur un obstacle, atterrir à l'autre côté et refaire la même chose à l'infini. En plus vous gagnez des bonus du coup de parcours de nuit, parce qu'on est de la nuit, donc ça donne encore deux fois voire trois fois plus de bonus et que ça vaut vraiment le coup. N'hésitez pas à enchaîner et à le faire le plus possible, parce qu'il faut 120 000 XP de parcours pour avoir toutes les compétences. Donc je vous conseille vraiment énormément à XP à masse avec ce glitch là, parce qu'à la base on ne peut pas enchaîner avec l'endurance. À la base on a très peu d'endurance sur le jeu, et que dans normalement on peut pas faire ça enchaînant comme ça, donner énormément de points en plus au niveau du parcours. À peu près, si je dis pas de bêtises, vers la fin de la vidéo j'aurai à peu près 1500 points de parcours rien qu'en faisant, en enchaînant comme ça, et en bonus de nuit je serai à peu près dans les 900 à peu près, si je dis pas de bêtises, ou dans les 700. Donc voilà, n'hésitez pas à enchaîner, c'est très important. Et ceux qui n'ont pas réellement compris, je le répète, en gros il faudra courir sur un obstacle, sauter loin, re-enchaîner ou même réatterrir sur l'obstacle d'après et re-enchaîner, etc. Donc en gros il faut faire ça à l'infini. Donc là je vous ai mis ça en accéléré rapide. Donc voilà, c'est pas compliqué au final, c'est très rapide, très facile, et franchement n'hésitez pas à en profiter avant qu'il soit patch. Donc voilà, je le conseille aussi de le refaire la nuit. Donc voilà, donc je vais bien vous montrer où c'est sur la map. C'est très simple, du coup vous allez directement sur la map et ça se situe ici. Donc voilà, comme moi sur la vidéo. Donc voilà, c'est pas compliqué. Donc voilà, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé les potes. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications, de s'abonner à la chaîne se trouve en description, merci à tous ceux qui le feront. Bref, sur ce les gars, c'était Necro, ciao tout le monde, à la prochaine.